Voilà, c'est parti, madame, mesdemoiselles, messieurs, c'est parti. Et bien sûr, les favoris qui prennent la tête. Et qui a pris la tête du peloton? Je vous le demande, qui a pris la tête? C'est monsieur Julien Wenders, avec le numéro 1. Monsieur Julien Wenders, le grand favori, ne veut rien laisser la personne, bien sûr. Il a pris la tête, il a pris la tête en compagnie du numéro 5, Berianu Fegou. Allez le public, je veux vous entendre le public, avec ce peloton de niveau mondial aujourd'hui, comme d'habitude à vous, et certainement des records qui vont tomber, je demande au public la folie au passage des coureurs, la folie. Voilà, Julien Wenders qui a pris la tête de cette course pour l'instant suivi d'Albert Chemoutaï, l'Ougandais, mais également de Toury Koumbi, déchiré, Cornelius Kangogo qu'il ne faut pas oublier, le trois fois vainqueur, triple vainqueur de cette course aux avant-postes. Comme d'habitude, nous avons d'ores et déjà les grands favoris aux avant-postes. Ouais, sans surprise, Julien Wenders qui prend un départ canon. Il le faut, il est obligé. S'il veut espérer le record d'Europe aujourd'hui, il faut partir très vite et c'est ce qu'il fait dès le début de course. La tête de course, bien sûr, suivi par les favoris, hein, encore une fois Albert Chemoutaï, Cornelius Kangogo, mais également d'autres coureurs qui ne veulent surtout pas lâcher cette tête de course. Toury Koumbi Bichéré qui est un challenger, mais qui est aux avant-postes également. Il fait une première partie de course souvent aux avant-postes. Et pour l'instant, comme l'année dernière, Julien Wenders qui ne veut surtout pas perdre cette course, surtout pas perdre le chrono. Dans quelques secondes, passage au premier kilomètre et première indication sur le rythme, ce rythme de course. Le premier kilomètre qui va nous en dire beaucoup. Est-ce que Julien Wenders est parti sur les bases du record d'Europe? La réponse dans quelques instants. Harry, passage au premier kilomètre. On avait dit que ce serait une grande course. 2 minutes 41, ça veut dire 4 secondes d'avance sur le record d'Europe. 4 secondes sur le record d'Europe pour le moment. Le moment a commencé très très fort comme on l'avait annoncé. Et c'est qui? C'est Julien Wenders. De bonnes nouvelles, il est parti sur les bases du record d'Europe. 4 secondes d'avance. Et la bonne nouvelle, c'est que sur ses bases, pour le moment, eh bien, il n'est pas tout seul. Ce qui pourrait lui permettre d'avoir une aide. Regardez avec ses athlètes autour de lui. Ils sont 4 pour le moment sur des bases pour aller chercher le record d'Europe. Pirez-nous. Berahut Segou, Geoffrey Courir, le Kenyan, l'Éthiopien, Kuchov, Julien, pour l'instant, Julien Wenders, accompagné par ses deux athlètes, mais ça tire tout de suite en tête de course, c'est parti très très fort, 2.41, le public qui n'attend qu'une chose, c'est de voir du spectacle, pour le moment nous allons passer sur cette zone où il y a la première zone de ravitaillement, ce sera tout à l'heure le 8e kilomètre, beaucoup d'encouragement, Julien Wenders qui n'a peur de rien, ce n'est pas pour l'instant le cannibale, je ne sais pas, il va falloir lui trouver un nom, car il n'a peur de rien, de rien, de rien, c'est du Julien Wenders, 2 minutes 41 premier kilomètre. Tu veux dire un petit mot, Ralid, ou pas, Ralid? Kogo qui ferme le groupe qui est parti, ils sont 6, et pour l'instant, en queue de peloton de ce groupe de 6, rien n'est joué, bien sûr, c'est Cornelius Kangogo, le triple vainqueur, pour l'instant, en 6e position. Julien Wenders qui fait toujours le travail dans ce groupe de tête avec le dossard numéro 5, semble-t-il, de Berianu Tsegu, l'Éthiopien, qui s'accroche. Et donc, regardez, Julien Wenders qui ne s'occupe pas, c'est sa tradition. Ah, il fait un petit signe quand même pour avoir de l'aide, on l'a vu. Tendre la main peut-être pour avoir de l'aide, un relais. Et c'est ce que semble réaliser l'athlète à ses côtés maintenant. Et ça pourrait être un enjeu important, hein, l'aide qu'il pourrait avoir dans les premiers kilomètres pour aller chercher ce record d'Europe.
vient déjà d'exploser, ça vient déjà d'exploser, Harry. Plus que 4 athlètes. 4 athlètes maintenant qui ont pris les choses en main. J'ai un petit peu peur pour Cornelius Kangolo qui se fait décrocher. Julien Wenders en compagnie du dossard 5, du dossard 8, du dossard 3. Passage au deuxième kilomètre. Harry, 5'27, on a 3 secondes d'avance, on a même 5 secondes d'avance sur le record d'Europe. Voilà, 5 secondes d'avance, il fallait passer à 5'30 pour aller chercher les 27'30. On a 5 secondes d'avance pour le moment. Après 2 km, 3 hommes, 4 hommes même ensemble, et ça c'est de bon augure pour le record d'Europe, parce que non seulement on prend en avance 5 secondes, mais en plus en étant sur les bases de ce record d'Europe, pour le moment Julien Wenders n'est pas isolé et il pourrait même avoir de l'aide. Regardez, on le voit d'ailleurs, ça relance à l'instant devant lui avec le dossard numéro 5, Béréanut Ségu, qui fait le travail aussi de relance, qui prend les choses en main maintenant, et ça pourrait aider Julien Wenders dans cette tentative de record d'Europe. Avec le dossard 5, Béréanut Ségu, l'Éthiopien, qui a pris le relais de Julien Wenders. On a même cru à un moment qu'il allait vouloir un petit peu encore accélérer. C'est un bon relais avec Julien Wenders. Tout simplement, les deux coureurs qui cherchent leur foulée. C'est pas un relais organisé. Béréanut Ségu et Julien Wenders, avec deux autres athlètes, eux qui ne prennent pas de relais. Mais peuvent-ils prendre des relais? Je ne sais pas. Pour l'instant, nous sommes largement dans les allures de folie. Le record de l'épreuve, pour l'instant, se voit être explosé. Ce record de Iman Merga, 27-47. On rentre maintenant dans le public. Ça va être une folie. Toujours Julien Wenders et ce groupe de 4 en tête. Et avec le dossard numéro 5, donc l'Éthiopien Béréanut Ségu, on rappelle, hein, c'est tout de même celui qui a terminé 4e au championnat d'Afrique de cross en 2018. Quand on sait le niveau des Africains en cross-country, autant dire que la 4e place au championnat d'Afrique, c'est quasiment être parmi les 4 meilleurs mondiaux. Pour vous dire que là aussi, on a un client à ses côtés. Donc pour un moment, beau mano à mano, j'ai l'impression, entre Julien Wenders et l'Éthiopien Béréanut Ségu, qui nous font la plus belle impression. Mais derrière, attention à ces deux athlètes pour le moment qui s'observent. Voilà à l'écran Jimmy Gressier donc qui s'accroche derrière et qui emmène un joli groupe avec lui. Toujours les 4 têtes, toujours les 4, ça ne change pas. Je crois que le rythme imposé par Julien Wenders convient à tout le monde, puisqu'on va sur des chronos exceptionnels. Cette fois-ci, il a repris la tête, et là c'est la folie, car on rentre dans la masse de coureurs qui attendent pour voir la course des As. On va même laisser passer les 4 coureurs. Et voilà qui passe devant nous, Julien Wenders qui mène. Nous nous situons maintenant juste derrière les 3 coureurs africains qui le suivent. Bien sûr, il n'y a aucun problème pour aucun des athlètes, il n'y a pas de rictus. Tout va bien, mais Julien Wenders, qui, comme au patron l'année dernière, a décidé de prendre la course. Et Julien Wenders qui est obligé à quelque part, si les autres athlètes jouent la gagne, lui joue le chrono avant tout. Pour les autres, on ne parlera pas de record du monde aujourd'hui, c'est sûr. Donc les 3 autres athlètes derrière lui jouent le podium aujourd'hui. Julien Wenders, lui, joue une performance, un record d'Europe peut-être réalisable aujourd'hui. Toujours 5 secondes d'avance sur le record d'Europe. Le premier passage devant vous, le public. Vous allez être peut-être le 5e athlète de ce groupe en faisant du bruit. C'est vous qui allez pouvoir pousser à la performance. Allez, le public, on applaudit le passage de ces athlètes avec Julien Wenders, toujours en tête. Julien Wenders, donc avec les dossards numéro 5 de Béréanut Ségu, le numéro 3 de l'Ougandais Albert Chemutai, et le numéro 8 avec de Philimon Andelettrien. Ils sont bien les 4 ensemble. Là, avec un petit groupe emmené par Jimmy Grossier, figure aussi Florian Carvalho dans ce groupe. Oui, hein, toujours Julien Wenders, je vous rappelle que nous avons toujours 5 secondes d'avance sur le record d'Europe. Toujours 5 secondes, on devait passer en 8 minutes 15 pour 27-30, on est passé en 8 minutes 12. Pour l'instant, ça va toujours très très fort.
Allez, le public, on les encourage, on les pousse pour la performance, la dernière sortie de l'année pour aller chercher d'énormes chronos internationaux. On vous rappelle que vous pouvez suivre sur l'écran géant, sur la place où il y aura jugé la ligne d'arrivée tout à l'heure. Cette course, vous pouvez être sur le Facebook de la page de l'événement où vous avez l'événement en direct. Et toujours donc, Julien Wanders en tête de course sur le tempo du record d'Europe. Paris, prochain chrono, ça c'est au quatrième kilomètre, ça va être très important, ensuite le cinquième, ça va être un indicateur. Dans quelques secondes, je te donne le temps de passage au quatrième kilomètre. Les féminines avec les dossards 64 et 62 aux avant-postes. On va vous rappeler ces féminines. Le dossard 64, c'est Hélène Bekele, on vous l'avait annoncé, peut-être pour le record de l'épreuve aujourd'hui, vainqueur du marathon de Barcelone en 2017 et troisième au marathon de Lisbonne. Et le 62 avec elle, l'Éthiopienne GT, allez, Yemeyu, troisième de la corrida de Langueux en 2018, vainqueur des 20 km de Marseille-Cassis en 2018. Et le passage de ces athlètes, vous pouvez les applaudir, regardez, ça va vite, très vite, sur cette 47e édition. Clémence Calvin, au passage à l'instant. Passage au 4e kilomètre, 11 minutes, voilà, le train y est, on ne baisse pas le train, donc record sur les bases de 27.30 pour le moment, c'est tout ça, c'est très simple, voilà, les calculs ont été justes, pour l'instant, 4e kilomètre, nous avons toujours 5 secondes, madame, mesdemoiselles, messieurs, sur le record d'Europe. Toujours Julien Wander, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est toujours pas seul, hein. Toujours ses quatre athlètes et il a même des relais appuyés avec le dossard numéro 5 qui nous fait une belle impression, l'Éthiopien Berianu Tsegu, regardez, il fait des relances, l'Éthiopien régulièrement qui vient se porter en tête et qui prend des relais de Julien Wander, ça. Oui, allez, on reprend le micro, Julien Wanders toujours en compagnie des trois autres coureurs qui regardent, les trois autres coureurs regardent beaucoup leur chrono, contrairement à Julien, Julien qui ne se pose aucune question, et tout simplement il regarde comment ça se passe derrière, mais ça désemplit pas, je peux te dire que ça va très très vite, on est toujours sur le même rythme, 5 secondes d'avance sur le record d'Europe. C'est tout simplement incroyable. Il va y avoir des choses qui vont être gravées, c'est déjà gravé dans l'histoire de la corrida internationale de Houille, car être sur ces bases-là, c'est tout simplement exploser le record de l'épreuve, pardon. On verra pas le record d'Europe, mais en tout cas c'est bien parti à toi Harry. Voilà, toujours donc un groupe composé de 4 athlètes, on vous rappelle, Julien Wanders qui fait beaucoup de travail, bien entendu, il se bat contre le chrono, mais des gros relais de l'Éthiopien Tsegu Berianu, le 4e de la Golden Urban Run et surtout 4e au championnat d'Afrique de cross en 2018, figure dans ce groupe le dossard numéro 8 de l'Érythréen Philemon Ande, vainqueur des 10 km de Johannesburg en 2018 et figure avec eux le dossard numéro 3 de l'Ougandais, 4e au championnat du monde junior sur 3000 mètres steeple en 2018, vainqueur des 10 km de Saint-Denis en 2018, l'Ougandais Albert Chemoutai. Voilà les 4 athlètes pour le moment en tête de course. Harry, passage de 5 km en 13.47, ça veut dire que nous sommes exactement sur les bases de 27.32 et sur le quatuor. Nous avons la première victime de ce groupe qui est en train de décrocher, ils ne sont plus que 3 maintenant, ils portaient un maillot orange, on va vous donner, je crois que c'est le dossard 3 qui vient de décrocher maintenant, ça va trop vite, c'est tout simplement Albert Chemoutai qui vient de décrocher, qui ne reviendra plus, hein, parce que ça quelque peu avec chez Moutaille a tout simplement maintenant décroché du groupe, il a pris 10 mètres en quelques mètres, on va dire comme cela, attention, ça change un petit peu, ça relance bien dans les virages.
En tous les cas, nous sommes toujours sur la base de 27-32. Julien Wenders qui se retourne, ça fait 2-3 fois où il se retourne un petit peu. On lui demandera pourquoi tout à l'heure. Et maintenant, plus qu'un trio en tête. Le public va falloir pousser car il y a quelques secondes qui ont été perdues. Maintenant, on est tout juste dans les bases du record d'Europe. Donc avec des bases 13,45, on vient de le noter au 5e kilomètre, ça nous donne à l'arrivée 27,30, plus que 2 secondes d'avance sur le record d'Europe de Julien Wenders qui accélère encore à l'image de ce virage. Petite relance qui semble et qui vient coûter encore cher à l'un des athlètes du trio de tête. Et ils ne sont bientôt plus que 2 dans le groupe de tête avec l'Éthiopien Tsegu Berianu, le seul qui a réussi à prendre des relais de Julien Wenders dans les 5 premiers kilomètres, mais qui depuis quelques instants maintenant se contente d'être dans la foulée à 1 ou 2 mètres. Il s'accroche, on le voit, il s'accroche, mais ça devient difficile pour cet athlète. Il est en train de décrocher et Julien Wenders qui reprend maintenant. Ce qui est très curieux, c'est que ce sont les 3 athlètes africains qui regardaient leur montre et Julien Wenders, lui, ne regarde jamais sa montre. Il continue toujours et encore. Passage au 6e kilomètre dans quelques secondes. Julien Wenders qui maintenant travaille seul en tête, hein, on le voit depuis quelques instants, l'Éthiopien ne prend plus de relais. Il va falloir que Julien soit solide et pour qu'il soit solide aujourd'hui, c'est vous, le public de Houille, qui vont peut-être avoir leur importance. Faites du bruit pour lui au passage tout à l'heure. Il en aura besoin dans l'entame du dernier tour pour aller chercher le record de l'épreuve, le record d'Europe. Harry, comme prévu, ils ne sont plus que 2 et on revient sur des bases de 27-30. On avait ralenti quelque peu avec des passages sur les bases de 27-32. Là, on est de nouveau sur les bases de 27-30 au 6e kilomètre. Wenders a accéléré, c'est sûr. Je ne veux pas me prononcer trop vite, mais son dauphin est en train de décrocher quelque peu. Donc je rappelle au public, 27-30, c'est le rythme de Julien Wenders. Quelque chose me dit qu'il peut le tenir. Il peut le tenir sur le dernier tour. À toi, Harry. Voilà, Julien Wenders, un peu au contraire de d'habitude, tout de même, il se retourne beaucoup. On l'avait vu à la corrida bulloise en Suisse, sûr de lui, hein, jamais ne se retourner. Là, aujourd'hui, il se retourne, il essaye peut-être d'avoir avec lui encore un athlète qui pourrait l'aider un petit peu dans le dernier tour. Mais j'ai l'impression que Julien va devoir faire le choix de partir tout seul s'il veut aller chercher ce record d'Europe. Regardez, encore un petit coup d'œil sur le côté pour l'athlète à ses côtés. Regardez, les voici, le public, c'est à vous dans la ligne droite. On le pousse, le record d'Europe toujours jouable dans l'entame de ce dernier tour. Julien Wenders au passage devant vous. Les voici et toujours au coude à coude. L'Éthiopien revenu à ses hauteurs. Berianu Tsegu n'a pas lâché. Quel dernier tour de folie! Julien Wenders pour un record et la victoire qui va être disputée. Car à l'entame du dernier tour, Berianu Tsegu s'accroche. Je reprends la parole, Berianu Tsegu qui décroche. Il est en train de cracher là-haut en faciès que nous connaissons en course à pied. Il commence un petit peu, il revient maintenant difficilement dans la route Wenders. Ça chauffe quand même. Et Wenders, lui, qui est toujours fidèle à lui-même, passage au 7e kilomètre. Derrière le beau comportement de nos Français avec un coup Florian Carvalho, un coup Jimmy Gressier qui prennent le relais dans ce trio. Là-bas, ça va vite. Et c'est la jeunesse maintenant, Jimmy Gressier, qui a repris davantage par rapport à Florian Carvalho dans la poursuite. Dans quelques instants, le passage des féminines devant nous. On rappelle, au premier tour, elles étaient deux coude à coude, les Éthiopiennes, Djété Alemayehu et Hélène Bekele. Alors que du côté des messieurs, toujours un mano à mano entre les deux athlètes, toujours Julien Wenders, malgré tout, qui fait le travail. Et Berianu Tsegu dans sa foulée. Henri,
Paris, on se situe maintenant vers la dernière difficulté, c'est la dernière fois qu'on monte cette côte, on est toujours sur les mêmes bases, on est sur les bases de 27-30, c'est incroyable, Julien Wenders qui est porté par le public, il est porté par le public, je crois que tout le monde veut que Julien batte ce record, on a le public qui crie, c'est une grande édition, la 46e est exceptionnelle, c'est une grande édition, dans quelques minutes je vais t'informer sur le temps de passage au 8e kilomètre, Julien Wenders toujours devant, l'Éthiopien ne peut pas prendre un relais, ne peut pas, ça va trop vite pour lui, mais il s'accroche. On va donner le temps de passage au 8e kilomètre dans quelques secondes. Alors que les féminines passent devant nous sur la ligne pour l'entame du dernier tour, et toujours un magnifique mano à mano entre les Éthiopiennes avec GT Alemayehu, le dossard 62 et Hélène Bekele. Voilà les deux féminines au mano à mano dans le dernier tour. Oui, arrêt toujours avec Julien Wenders. On attaque maintenant le dernier tour. Il regarde, je crois que l'Éthiopien souffre. Il a du mal, il vient de se prendre 2-3 mètres. Nous rentrons maintenant dans la rue de Thiers. Voilà, et beaucoup de public les encourage. Julien qui a juste regardé un petit peu son adversaire, mais ne se pose pas de questions. Et un détail qui n'en est pas un, Julien Wenders ne porte pas de montre. Voilà, c'est ça la métronomie d'un coureur de très haut niveau. Il ne porte pas de montre. Habituellement, tous les coureurs d'un certain niveau portent une montre pour contrôler son allure. Julien n'en a pas besoin. Il est toujours premier. Les photos sont exceptionnelles. Tant le public porte Julien Wenders, porte ses athlètes. Et maintenant, avec deux petits mètres d'avance, attention au passage au 8e kilomètre. Si nous voulons atteindre les 27-32, il faut passer au moins en 22-02. Je me porte auprès du juge arbitre. Nous allons attendre le chrono au 8e kilomètre. 22-01, on est sur les bases de 27-31. Voilà, c'est ça le chrono. À 2 km de l'arrivée, Julien Wenders est toujours en passe de battre le record d'Europe. Il a une seconde d'avance, une seconde. Harry, ça décroche maintenant. On va compter, allez, 2 mètres. L'Éthiopien lâche un petit peu, on le voit, ça vient de courir. Le haut du corps est beaucoup moins relâché. Et lui, Julien, continue. Il nous reste une seconde d'avance pour le record d'Europe. Et bien sûr, le record de l'épreuve qui est en train de connaître ces dernières secondes, ces dernières minutes. Voilà, ce sera l'histoire de la corrida internationale de Rio. Le 27-47, on n'y est quasiment plus. Et le record d'Europe, on y est. 27-31 pour l'instant. C'est l'allure qu'il mène pour aller chercher le chrono. Vous êtes en train de vivre un énorme moment d'athlétisme à 2 km de l'arrivée, à peine 1500 mètres maintenant, toujours Julien Wenders en passe de battre ici le record d'Europe. Harry, c'est maintenant 3 mètres que Julien Wenders est en train de gagner. Oh là là, ça se décante. L'Éthiopien qui a regardé sa montre. Est-ce que ce chrono lui suffit? En tout cas, il ne peut plus suivre le rythme de Julien Wenders. Ce n'est plus 3 mètres. Harry, c'est 4 mètres. 4 mètres que Julien Wenders prend maintenant. Il accélère. Il a légèrement regardé son adversaire dans le virage. Julien Wenders qui est en train de s'envoler. On garde le même rythme. Attention, il va falloir ne pas s'endormir dans cette... dans ces derniers hectomètres, car nous étions 27-31, je l'appelle, Julien Wenders avec 3 mètres d'avance sur son dauphin. Il reste 3 minutes et 30 secondes pour battre le record d'Europe. 3 minutes 30 secondes de suspense. Sortez vos appareils photo, vous allez vivre un moment d'histoire. Nous entrons dans la rue, Pierre, le frapper. Toujours, voilà, c'est plus 4 mètres, c'est 5, c'est 6 mètres que Julien Wenders est en train de mettre à son dauphin. Il va se sacrer double champion de la corrida internationale de Houille. Quelque chose me dit que son dernier sprint va être décisif. Et là, il est porté, il est réellement porté par le public. On sent quand même la ligne d'épaule qui tire un petit peu. Mais il s'envole vers une victoire. Et peut-être un record d'Europe. Pour l'instant, toujours à 27-31. À l'instant où je vais te passer la parole, Julien Wenders accélère nouvellement.
Julien Wanders, donc maintenant seul en tête, on le voit, il a creusé un écart qui va suffire, sauf incident de parcours, qui va suffire pour aller chercher une deuxième victoire consécutive. Va-t-elle être en plus marquée du record d'Europe dans le dernier kilomètre maintenant? Eh bien, c'est toujours réalisable. Quel écart creusé dans les derniers kilomètres, dans les deux derniers kilomètres. Julien Wanders ne se pose plus de questions, c'est devant que ça se passe pour le record d'Europe peut-être. Oh, il a accéléré encore, j'ai l'impression, il est solide dans les derniers kilomètres. Le public dans la dernière ligne droite, va falloir pousser au maximum. Ça va se jouer à une ou deux secondes près. Ça va être énorme, le public. Harry, on te passe le micro. C'est une folie complète. Et Julien qui a grimacé, mais qui accélère encore. Une minute. Une minute pour battre le record d'Europe. Une minute. Il faut rien lâcher, le public dans la dernière ligne droite. C'est à vous. Faites du bruit. Le public dans la dernière ligne droite, il faut un maximum de bruit, ça va se jouer à la seconde près. Il est dans la dernière ligne droite, 30 secondes pour remonter la ligne droite, Julien Wanders. Julien Wanders. Les secondes s'égrènent! Les secondes s'égrènent! Énorme record d'Europe! Record d'Europe! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il l'a fait! Énorme! Énorme, Julien Wanders! Il l'a fait! Julien, on va voir le temps officiel avec les juges arbitres. On était 27, 25, 27, 26 heures. Le chrono officiel, mais c'est sûr, Julien, on est en dessous les 27, 32. Julien Wanders l'a fait, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je ne vous ai pas entendu applaudir plus fort que ça. Julien Wanders, record d'Europe. Ouais, Julien, exceptionnel. Julien, tu es le seul à pas avoir de montre, c'est normal ça? Ouais, ça évite de se préoccuper trop du chrono. Le but c'est d'aller à bloc et le chrono ça peut que nous ralentir. Vas-y Harry. Julien, on t'a vu pour une fois par rapport à d'autres courses, tu te retournes pas forcément. Là tu t'es retourné pas mal de fois, est-ce que tu souhaitais avoir un peu plus d'aide peut-être de l'athlète encore pour aller chercher une meilleure performance? Ouais, ça c'est une erreur de ma part, se retourner c'est jamais une bonne idée. Mais voilà, j'ai un tic, faut que je travaille sur ça. C'est clair qu'avec un peu d'aide, ça aurait été plus facile. Mais voilà, moi je fais ma course, je sais ce que je veux. Et même tout seul, j'ai réussi à faire le record. Voilà, Harry, ça va arriver chez les filles. Bravo, Julien Wanders. Record d'Europe, on peut l'applaudir encore bien fort. Et du côté des féminines, ça va très vite aussi. Elles étaient au coude à coude. Les deux Éthiopiennes, Djete Aleyamayu et Hélène Bekele. Oui Harry, tu as suivi la course féminine bien sûr par rapport à moi. Nous en sommes à 29 minutes et 20 secondes de course. On va se focaliser bien sûr également sur les filles. On a vu d'excellentes places aussi, une belle performance de Jimmy Gossier. Allez, on regarde, je vous rappelle 31 minutes, 14 secondes, le record féminin. Bien sûr, on s'est...
focaliser sur cette course garçon qui a été une course de folie. Miguel. Mais à 31 minutes 14, c'est le record Miguel. Féminin, ça peut être battu. Tu nous interromps ainsi, on a l'arrivée des brouillards féminines avec Jimmy Gossier. Jimmy, quelle belle course avec Florian Carvalho. Un coup l'un, un coup l'autre, vous avez emmené dans ce trio pour aller chercher une belle perf. Oui, c'est vrai qu'on a fait une très très belle course en équipe. C'est vrai qu'à un certain moment de la course, je menais beaucoup. Je me suis demandé s'il y a quelqu'un qui allait me relayer dans les derniers tours. Enfin, au milieu de la course, Florian m'a mis une petite tape dans les fesses et il m'a dit que, allez, on y va. Donc, il a pris ses responsabilités. Et aujourd'hui, il m'a aidé à aller chercher ce nouveau record de France Espoir. Donc, je le remercie pour ça. Et super, voilà, derrière, apparemment, il y aura un record de France Espoir aussi. Et ça, ça s'applaudit bien fort pour Jimmy Grossier. Voilà, 30 minutes 30, Harry. Alors que ça arrive maintenant. 31 minutes 14 vient de me dire que le dossard 60 et 62, 62 et 64, l'Éthiopienne bien sûr. Et Hélène Bekele sont au coude à coude. 31 minutes 14, on n'arrête pas de se focaliser maintenant sur cette ligne droite finale. Nous en sommes à 30 minutes et 49 secondes. Ça sprint chez les garçons. Voilà, on ne voit pas de filles arriver. Voilà, effectivement, la première féminine arrive maintenant. Il nous reste 14 secondes pour le record. Ça va être un petit peu juste, on l'applaudit. Elle est juste devant, le 62. Ça passe, ça passe, ça passe et ça passe. 31-11, 31-13. Voilà le record féminin également de l'épreuve. Mais quelle édition, quelle édition historique, cette 47e édition à Thoiry. Voilà, alors qu'on demande la protection civile sur la ligne d'arrivée. 31 minutes et 11 secondes. 31-14, bien sûr. Le juge arbitre va valider ensuite, hein, après plusieurs contrôles, le chrono des jeunes filles. Mais voilà, record féminin, record de l'épreuve, record d'Europe sur la 47e édition. Le public, salve d'applaudissements. Voilà, notez que les Éthiopiennes ne parlent pas anglais, malheureusement nous ne pourrons pas donc les avoir en interview. Et derrière, eh bien, ça devrait être Suzanne Jetou Kipsang qui luttait pour la troisième place et Ophélie Boxberger était quatrième. Voilà Mohamed Serbouti qui vient de franchir la ligne à l'instant également. Bravo Mohamed qui a fait une très belle course encore avec des superbes chronos. On demande au public d'encourager bien sûr. Je vous rappelle que maintenant beaucoup d'athlètes vont aller chercher leur record personnel. Peut-être les records pour aller chercher la qualification au championnat de France. Encore une féminine qui arrive. C'est le dossard 59 et c'est mademoiselle Suzanne Kipsang qui est licenciée athlée Saint-Julien 74. Annie oui. Chérifat également qui vient de passer la ligne en 32 minutes et 41 secondes. Suzanne Jetou Kipsang qu'on va accueillir à la très bon français. Suzanne, on a le plaisir de la voir régulièrement sur les courses françaises. Et Ophélie Boxberger qui vient de franchir la ligne en 32 minutes 50 à l'instant. Voilà la course féminine sur les places d'honneur là avec Ophélie Boxberger qui vient de franchir cette ligne. On va essayer de l'avoir au micro. Oui, effectivement avec Suzanne tout d'abord, Jetou Kipsang qui prend la troisième place. Un petit mot avec toi, comment ça s'est passé aujourd'hui? Et un beau podium qui doit te faire plaisir sur une course qui a été très relevée. Merci, merci à tous pour regarder. Là, j'ai retrouvé le départ, c'était trop serré. Le départ, ça fait mal. Puis, pour ça, j'ai fait bien la course. Merci. Eh bien, bravo à toi. Et ça sera un nouveau podium supplémentaire avec Ophélie Boxberger à mes côtés. Première française de cette course. On attendait un beau duel entre toi et Clémence Calvin. Il a tourné à ton avantage aujourd'hui. Et je pense que ça te donne le sourire et ça peut mettre en confiance pour l'avenir sur la route. Oui, c'est vrai, je progresse chaque sortie, je prends de plus en plus de plaisir sur la route. J'adore le public, les encouragements quand je passe, qu'on me dit allez Ophélie, ça me redonne de l'envie, de l'énergie. Alors voilà, je remercie tout le monde et voilà, je suis très heureuse. Bon, au niveau du chrono maintenant, parce qu'on a vu de très belles performances féminines devant, est-ce que toi, tu as été chercher un record personnel ou il a manqué un petit peu aujourd'hui? Alors non, c'est mon record personnel, c'est pour ça que je suis très heureuse. Je passe sous les 33 minutes. Donc c'est que du bonheur, voilà, c'est merci à l'organisation et à tous les concurrents. Le chrono aujourd'hui?
J'ai pas le chrono officiel, mais à mon avis, c'est sous les 32,50, donc c'est magnifique. Et moins de 32,50, on va officialiser ça tout à l'heure avec les juges arbitres. Mais voilà une très belle performance pour Ophélie Boxberger qui continue sa belle progression sur la route et on peut l'applaudir bien fort. Et bien entendu, on a parlé de records d'Europe, on a parlé de records, semble-t-il, de l'épreuve chez les féminines à concrétiser, parce que je crois que ça s'est joué vraiment à la seconde près. On a parlé normalement du record de France Espoir aussi avec Jimmy Grossier. On parle de record personnel avec Ophélie Boxberger qui améliore ses performances. Mais derrière, eh bien, on peut applaudir tous ces athlètes ici dans la course aujourd'hui. Allez, bravo à vous tous!